Je vais donc vous prier d'écouter avec la plus grande attention mon cours tout préparé, grâce auquel, en 15 minutes, vous pouvez acquérir les principes fondamentaux de la philologie linguistique et comparer des langues néo-espagnoles. Oui, monsieur. Oh ! Silence ! Que veut dire cela ? Pardon, monsieur. Silence ! Ainsi donc, mademoiselle, l'espagnol est bien la langue mère, d'où sont nées toutes les langues néo-espagnoles, donc l'espagnol, le latin, l'italien, notre français, le portugais, le roumain, le sarde, le sardanapal, l'espagnol et le néo-espagnol, et aussi, pour certains de ces aspects, le turc lui-même plus rapproché cependant du grec, ce qui est tout à fait logique, étant donné que la Turquie est voisine de la Grèce, et la Grèce plus près de la Turquie que vous et moi. Ceci n'est qu'une illustration de plus d'une loi linguistique très importante selon laquelle géographie et philologie sont sœurs jumelles. Vous pouvez prendre note, mademoiselle. Ah oui, monsieur. Ce qui distingue les langues néo-espagnoles entre elles et leurs idiomes des autres groupes linguistiques, tels que le groupe des langues autrichiennes et néo-autrichiennes, ou habsbourgiques, aussi bien que les groupes espérantistes, helvétiques, monégasques, suisses, andoriens, basques, pelotes, aussi bien encore que des groupes des langues diplomatiques et techniques. Ce qui les distingue, dis-je, c'est leur ressemblance frappante qui fait qu'on a bien du mal à distinguer l'une de l'autre. Je parle des langues néo-espagnoles entre elles, que l'on arrive à distinguer, cependant, grâce à leur caractère distinctif, preuve absolument indiscutable de l'extraordinaire ressemblance qui rend indiscutable leur communauté d'origine et qui, en même temps, les différencie profondément par le maintien des traits distinctifs dont je viens de parler. Oh oui, monsieur. Mais ne nous attardons pas dans les généralités. Oh monsieur. Cela a l'air de vous intéresser, mademoiselle. Tant mieux, tant mieux. Oh oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, nous y reviendrons plus tard. À moins que ce ne soit plus du tout. Qui pourra le dire? Oh oui, monsieur. Toute langue, mademoiselle, sachez-le, souvenez-vous-en jusqu'à l'heure de votre mort. Oh oui, monsieur, jusqu'à l'heure de ma mort. Oui, monsieur. Et ceci est encore un principe fondamental. Toute langue n'est en somme qu'un langage, ce qui implique nécessairement qu'elle se compose de sons, ou de... Non. J'allais vous le dire. N'étalez donc pas votre savoir. Écoutez plutôt. Bien, monsieur. Oui, monsieur. Les sons, mademoiselle, doivent être saisis au vol par les ailes pour qu'ils ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Par conséquent, lorsque vous décidez d'articuler, il est recommandé dans la mesure du possible de lever très haut le cou et le menton, de vous élever sur la pointe des pieds, tenez ainsi, vous voyez, regardez... Oui, monsieur. Taisez-vous, restez assise, n'interrompez pas, et d'émettre les sons très haut et de toute la force de vos poumons associés à celle de vos cordes vocales. Comme ceci, regardez, papillon, eureka, trafalgar, papi-papa. De cette façon, les sons remplis d'un air chaud plus léger que l'air environnant voltigeront, sans plus risquer de tomber dans les oreilles des sourds, qui sont les véritables gouffres, les tombeaux des sonorités. Si vous émettez plusieurs sons à une vitesse accélérée, ceux-ci s'agripperont les uns aux autres automatiquement, constituant ainsi des syllabes, des mots à la rigueur des phrases, c'est-à-dire des groupements plus ou moins importants, des assemblages purement irrationnels de sons, dénués de tout sens, mais justement pour cela capables de se maintenir sans danger à une altitude élevée dans les airs. Seuls, tombent les mots chargés de signification, alourdis par leur sens, qui finissent toujours par succomber, s'écrouler. On les oreilles des sourds. C'est ça, mais n'interrompez pas. Et dans la pire confusion, ou par crever comme des ballons, ainsi donc, mademoiselle, qu'avez-vous donc? J'ai mal aux dents, monsieur. Ça n'a pas d'importance. Nous n'allons pas nous arrêter pour si peu de choses. Continuons. Oui, monsieur. J'attire au passage votre attention sur les consonnes qui changent de nature en liaison. Les F deviennent dans ce cas des V, les D des T, les G des K et vice-versa. Comme dans les exemples que je vous signale, 3 heures, les enfants, le coq au vin, l'âge nouveau, voici la nuit. J'ai mal aux dents. Continuons. Oui. Résumons. Pour apprendre à prononcer, il faut des années et des années.
Grâce à la science, nous pouvons y arriver en quelques minutes. Pour faire donc sortir les mots, les sons et tout ce que vous voudrez, sachez qu'il faut chasser impitoyablement l'air des poumons, ensuite le faire délicatement passer en les effleurant sur les cordes vocales qui, soudain, comme des harpes ou des feuillages sous le vent, frémissent, s'agitent, vibrent ou grasseillent, ou chuintent, ou se froissent, ou sifflent, mettant tout en mouvement, luette, langue, palais, dents. J'ai mal à dents. Lèvres, finalement. Les mots sortent par le nez, la bouche, les oreilles, les pores, entraînant avec eux tous les organes que nous avons nommés, déracinés dans un envol puissant, majestueux, qui n'est autre que ce qu'on appelle improprement la voix, se modulant en chant, se transformant en un terrible orage symphonique avec tout un cortège. Des gerbes de fleurs des plus variées, d'artifices sonores, labiales, dentales, occlusives, palatales et autres, tantôt caressantes, tantôt amères ou violentes. Oui, monsieur, j'ai mal à dents. Continuons. Quant aux langues néo-espagnoles, elles sont des parents si rapprochés les unes des autres qu'on peut les considérer comme de véritables cousines germaines. Elles ont d'ailleurs la même mère, l'espagnol avec un E muet. C'est pourquoi il est si difficile de les distinguer l'une de l'autre. C'est pourquoi il est si utile de bien prononcer et d'éviter les défauts de prononciation. La prononciation à elle seule vaut tout un langage. Une mauvaise prononciation peut vous jouer des tours, mademoiselle. À ce propos, permettez-moi, entre parenthèses, de vous faire part d'un souvenir personnel. J'étais tout jeune, encore presque un enfant. Je faisais mon service militaire. J'avais au régiment un camarade, vicomte, qui avait un défaut de prononciation assez grave. Il ne pouvait pas prononcer la lettre F. Au lieu de F, il disait F. Ainsi, au lieu de fontaine, je ne boirai pas de ton eau, il disait fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il prononçait fille au lieu de fille, firmin au lieu de firmin, faillot au lieu de faillot, fichez-moi la paix au lieu de fichez-moi la paix. Fatras au lieu de fatras, Fifi fonfon fafa au lieu de Fifi fonfon fafa, Philippe au lieu de Philippe, Victoire au lieu de Victoire, Février au lieu de Février, Mars-Avril au lieu de Mars-Avril, Gérard de Nerval et non pas, comme cela est correct, Gérard de Nerval, Mirabeau au lieu de Mirabeau, etc. au lieu de etc. et ainsi de suite, etc. au lieu de etc. et ainsi de suite, etc. Seulement, il avait la chance de pouvoir si bien cacher son défaut grâce à des chapeaux que l'on s'en apercevait pas. Oui, j'ai mal à dents. Continuons. Précisons d'abord les ressemblances pour mieux saisir par la suite ce qui distingue toutes ces langues entre elles. Les différences ne sont guère saisissables aux personnes non averties. Ainsi, tous les mots de toutes ces langues. Ah oui, j'ai mal à dents. Continuons. Sont toujours les mêmes, ainsi que toutes les désinences, tous les préfixes, tous les suffixes, toutes les racines. Les racines des mots sont-elles carrées? Carré ou cubique, c'est selon. J'ai mal à dents. Continuons. Ainsi, pour vous donner un exemple qui n'est guère qu'illustration, prenez le mot front. Avec quoi le prendre? Avec ce que vous voudrez, pourvu que vous le preniez, mais surtout ne m'interrompez pas. J'ai mal à dents. Continuons, j'ai dit continuons. Prenez donc le mot français front, l'avez-vous pris? Oui, oui, ça y est, mes dents. Le mot front est racine dans frontispice. Il l'est aussi dans effronté, ispice est suffixe et EF préfixe. On les appelle ainsi parce qu'ils ne changent pas. Ils ne veulent pas. J'ai mal aux dents. Continuons vite. Ces préfixes sont d'origine espagnole. J'espère que vous en êtes aperçu, n'est-ce pas? Ah, ce que j'ai mal aux dents. Continuons, vous avez également pu remarquer qu'il n'avait pas changé en français. Eh bien, mademoiselle, rien non plus ne réussit à les faire changer, ni en latin, ni en italien, ni en portugais, ni en sardanapale ou en sardanapali, ni en roumain, ni en néo-espagnol, ni en espagnol, ni même en oriental, front, frontispice, effronté, toujours le même mot, invariablement avec même racine, même suffixe, même préfixe, dans toutes les langues énumérées, et c'est toujours pareil pour tous les mots. Dans toutes les langues, ces mots vous disent la même chose? J'ai mal aux dents. Absolument, mais comment en serait-il autrement?
De toute façon, vous avez toujours la même signification, la même composition, la même structure sonore, non seulement pour ce mot, mais pour tous les mots concevables, dans toutes les langues. Car une même notion s'exprime par un seul et même mot, et c'est synonyme dans tous les pays. Laissez donc vos dents. J'ai mal aux dents. Oui, oui et oui. Eh bien, continuons. Je vous dis, continuons. Comment dites-vous, par exemple, en français, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père, qui était asiatique. J'ai mal aux dents. Continuons. Dites quand même. En français? En français. Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont... aussi jaunes que mon grand-père, qui était asiatique. Ah bien, on dira en français, je crois, les roses de ma... comment dit-on grand-mère en français? En français, grand-mère. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes. En français, ça se dit jaune? Oui, évidemment. Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se met en couleur? Mais non. Qui était à... statique? J'ai mal aux dents. C'est cela. J'ai mal aux dents. Bien, tant pis. Continuons. À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol. En espagnol? Ce sera les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Non, c'est faux. Et en néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Mais non, c'est faux. Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour le néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. Ah non, c'est le contraire. J'ai mal à dents. Je veux embrouler. C'est vous qui m'embrouillez, soyez attentive et prenez note. Je vous dirai la phrase en espagnol, puis en néo-espagnol, et enfin en latin. Vous répétez après moi, attention, car les ressemblances sont grandes, ce sont des ressemblances identiques. Écoutez, suivez bien. J'ai mal. Aux dents. Continuons. Ah! En espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. En latin, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Saisissez-vous les différences. Traduisez cela en roumain. Les... comment dit-on roses en roumain? Mes roses, voyons. Ce n'est pas roses. Ah, que j'ai mal aux dents. Mais non, puisque rose est la traduction en oriental du mot français. Rose, en espagnol, rose. Vous saisissez? En Sardanapali, rose. Excusez-moi, monsieur, mais ce que j'ai mal aux dents, je ne sais pas la différence. C'est pourtant bien simple, à condition d'avoir une certaine expérience, une expérience technique et une pratique de ces langues diverses, si diverses, malgré qu'elles ne présentent que des caractères tout à fait identiques, je vais tâcher de vous donner une clé. Mal aux dents. Thank you.